Allô tout le monde, aujourd'hui on est mercredi le 13. Ouais, c'est ça. Il a tombé pas mal de neige ce matin, dans le fond, quand je me suis. Ben là, je suis en pyjama, là, je sors de la douche parce que je viens de finir de travailler. Ben j'ai fini de travailler à peut-être 1h15 à peu près. 1 heure. Puis après ça, ben j'étais à la maison, j'ai jasé un peu avec mes parents dehors. Puis après ça, ben je suis rentrée dans la maison, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis c'est ça, le matin. Quand je suis venue pour aller travailler, il y avait un ourlet de neige en arrière de mon char, ça avait pas de sens là. J'étais pas sûre d'être capable de sortir, mais finalement j'ai réussi à sortir. Puis c'était coulant là, quand je descendais à la côte, j'avais bien beau breaker, mais le char glissait pareil. Puis quand j'ai fini de travailler pour revenir à la maison, ben toutes les rues allaient bien sauf une où ce que le char il patinait puis ça glissait. Mais là c'est pas grave parce que j'ai pas besoin de sortir. J'aimerais bien vous montrer comment qu'il y a de la neige, mais on voit pas vraiment parce que c'est ça. Mais tu sais, comme vous pouvez voir, là, il y a un petit peu de neige jusque-là. Là. Ça, c'est dans ma fenêtre. Fait que, imaginez dehors, c'est encore pire que ça. Puis là, ben, j'ai juste hâte d'aller voir c'est quoi le thé du jour. J'espère que ça va être un thé qui a de la menthe dedans ou de l'eucalyptus, parce que je pense que je suis en train de pogner une grippe. Fait que ça ferait du bien. On va aller voir ça ensemble. Puis là, regardez pas la vaisselle si vous la voyez, au fond. C'est ma vaisselle d'hier. Fait que. Puis il fait noir. Oh, maudit que j'ai ça. Bon! Fait que le 13, c'est ici, une petite case rouge. Chai à la cannelle biologique. Lui, je l'ai déjà bu, il est bon. Mais finalement, le thé, là, d'hier, mais bon, c'est pas ça que je veux boire. Fait que je vais probablement boire le rhum 901, même si c'est pas buvable. Il y a de l'eucalyptus dedans, fait que ça va faire du bien. En passant, le thé que j'ai bu hier, c'était pas. Il était pas super bon, mais disons que c'était pas dans ma palette de. Dans ma palette de thé. Puis là, ben, on vient d'avoir une mini panne de courant, on sait pas pourquoi. Mais ça avait l'air d'être pas mal toute la ville qui en avait pas. Parce que où est-ce que je travaille, il en avait pas. Ma soeur en a pas. La soeur à mon chum en a pas. Ma mère qui habite juste à côté de moi, évidemment, elle non plus en a pas. Du monde. Du monde jusqu'à Saint-Antonin qui avait pas de courant. Puis là, ben, aujourd'hui, vu que c'est journée tempête, ben, c'est journée, on relaxe puis. On fait du montage parce que j'ai toujours pas monté mon vlog d'hier. Il y a 2h30. Faudrait que je m'enligne là-dessus parce que sinon il va être en ligne super tard. Faudrait que je monte celui-là que je suis en train de filmer aussi. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça va être full trop de montage. Fait que je vais me lancer tout de suite là-dessus si je veux pas en avoir jusqu'à full tard ce soir. Puis si je vais être capable de mettre mon vlog en ligne assez tôt. Fait que déjà que ça prend bon une demi-heure à exporter mon vidéo de mon logiciel, puis une autre demi-heure pour le mettre sur YouTube. Puis ça prend environ peut-être. 2 heures, 3 heures pour faire mon vlog. Parce que j'ai quand même pas mal de clips. Fait que c'est ça, je vais me lancer là-dessus. Fait qu'on s'en va tantôt. Imaginez-vous donc que ça fait environ 2 minutes que je parle à ma caméra, puis que je parle, puis que je parle, puis je parle, puis ça m'a fermé d'en face. J'ai pas pesé sur le piton, je parlais pour rien dire finalement parce que ma caméra n'enregistrait pas. Fait que là, dans le fond, il est rendu 4h30, ça fait une heure que mon chum est parti travailler, environ. Puis, c'est ça, je m'emmerde. Non, sérieusement, je sais pas tout ce que je vais manger pour souper encore. J'ai rien qui me tente, on dirait, aujourd'hui. Je sais pas si c'est la température qui me déprime. Mais, quand je regarde dehors, ça me donne pas le goût de... Ça me donne le goût de rien faire, tout simplement. Là, je viens de finir le montage de mon vlog d'hier. Il est en train d'exporter, puis je vais le mettre en ligne tantôt, fait qu'il va être en ligne plus tard ce soir. Puis, c'est ça, là, j'ai pas foutu grand-chose de mon après-midi, puis je foutrai probablement pas grand-chose de ma soirée non plus. Comme je disais, là, je sais pas, on dirait qu'aujourd'hui, je suis pas déprimée, mais il y a rien qui me tente. Puis, on dirait que je regarde ce qu'il y a dans mon frigidaire, puis... Dans le fond, quand je parlais pour rien dire tantôt, je regardais dans mon frigidaire. Puis on dirait qu'il y a vraiment rien qui me tente. Mais j'ai pas le choix. Faut que je mange pareil. Fait que je vais probablement manger mon macaroni chinois. Mais pas tout de suite parce que j'ai pas faim. Puis là, j'ai comme mal à la gorge depuis ce matin. Puis oui, aujourd'hui, ça va vraiment être un vlog dans mon salon, comme vous pouvez le constater. Hey, désolée, je saute, je parle de quoi, je parle de d'autres choses, je parle de quoi, je parle de d'autres choses, ça va être dur à suivre. Mais ce que je disais avant de changer de sujet, c'est que... Excusez. J'ai mal à la gorge depuis un matin. Tantôt, je pense que je vais aller laver mon diffuseur d'huile essentielle, puis je vais mettre un peu d'huile d'eucalyptus dedans.
puis je vais faire je vais le faire fonctionner un peu dans ma chambre pendant que moi je vais écouter mes émissions pour pas être en contact direct avec la vapeur parce qu'il paraît que cette huile-là, c'est une huile qui est trop forte puis que c'est pas bon pour certaines choses là, j'ai pas trop porté attention à ça, je vous dirais bien franchement. Puis c'est ça. Ça va être un petit vlog combiné. Je me souviens plus si je l'ai dit comme encore une fois parce que tantôt je parlais pour rien dire parce que ma caméra enregistrait pas. Mais je sais pas si je l'ai dit, mais aujourd'hui on dirait que je file pas pour vlogger justement parce que je sais pas, ça me tente pas de rien faire tout simplement. Fait que ça risque d'être un vlog combiné qui va avoir dans le fond aujourd'hui puis demain ça va être comme dans le même vlog. Fait que dans le fond il y aura pas de vlog en ligne demain, mais pour vous je pense que ça va être comme hier ou un affaire de même. Fait que c'est ça, je vais continuer à penser à ce que je vais manger puis on va se revoir plus tard dans la soirée. Coucou tout le monde, là dans le fond il est 6h15, j'ai fini de souper, ça fait peut-être une demi-heure, ben non, trois quarts d'heure à peu près. Puis là, ben, j'étais en train, comme je disais tantôt, d'exporter mon vidéo, mon vlog d'hier. Puis ça marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas. Dans le fond, quand je regarde la vidéo finale, il y a comme tout le temps un écran noir avec du son. C'est comme si la vidéo était décalée, puis que ça rallongeait la vidéo. Fait que j'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est. Ça fait trois fois que j'exporte la vidéo. Ça fait trois fois que ça me fait le problème. Là, j'essaie de faire la mise à jour qu'il y a à faire. Je vais voir après, mais je pense que ça va décaler mes vlogmas d'une journée. Mais en tout cas, je vais tout faire pour pas que ça décale la vidéo. Fait que j'essaie de tout faire ça en même temps que j'écoute Blind Spot. Je voulais juste vous mettre au courant. Fait que moi, je retourne essayer de trouver le problème de mon logiciel, puis je vous en rejase tantôt. Bon, ben, désolé. Après avoir gossé puis exporté ma vidéo 5 fois, ben j'ai enfin finalement réussi à mettre ma vidéo en ligne sur YouTube. Dans le fond, c'était un problème de. Fallait que je fasse la mise à jour pour régler le problème. Fait que c'est ça. Là, est rendu sur YouTube, de peine et de misère, et j'ai passé la soirée dessus. Puis là, ben, je m'en allais me coucher. C'est pour ça que je suis dans mon lit. Avant d'oublier de finaliser mon vlog, ben, je me suis dit que j'allais le faire là tout de suite dans mon lit. Fait que comme ça, j'étais sûre que je l'oublierais pas. Fait que je vais vous dire de faire attention à vous, puis de passer une bonne nuit ou une bonne journée, tout dépendant à quel moment vous allez écouter ça. Puis là-dessus, ben, on va se revoir demain pour la suite du vlogmas. Bye bye tout le monde! Allô tout le monde! Aujourd'hui on est jeudi, j'arrive de travailler, puis là ben, y a mon chum qui est en train de faire le ménage. Coucou! Arrête! Y a pas du monde aujourd'hui. Puis là ben, je vais aller voir c'est quoi le titre aujourd'hui parce que c'est ça. J'ai sort de voir c'est quoi le titre aujourd'hui. Puis oui, mon chum m'a fait la vaisselle. Un gros hurrah pour mon amour! Ouais. Puis 1h15. Ouais, fait que là, aujourd'hui, on est le 14, je pense, ben. Non. Mais non, arrête donc de me niaiser, il va aller voir sur le calendrier. C'est ça, on est le 14. Oh, lâche-moi! Mon chum, il est vraiment pas du monde aujourd'hui. Pour moi, il annonce une tempête, mais c'est parce qu'on vient d'en avoir une. Calme-toi, la tempête. Une autre tempête. Aujourd'hui, c'est 4 quarts aussitôt. Il me semble qu'il y en avait un, tu sais, qui ressemblait à ça. Il y a pas si longtemps. Il y en a un Bouddha, puis je l'avais pas bu. Ah, c'est ce qu'on a mis dans. Ce qu'on orange et noir. Là, c'est 4 corps au citron, je l'ai jamais bu. C'est sûr que si tu restes les yeux fermés, tu verras voir. Voyons, hey, j'ai mal dans le bras, sérieux. La caméra est tout le temps trop basse. ouais, aujourd'hui, c'est 4 corps au citron. Puis. Il doit sentir le citron, j'imagine. Il sent le gâteau. Ben, tiens, ça sent le gâteau au citron. Pah. Ah, c'est parce qu'elle avait payé, lâche-moi. Puis, je sais pas si je vais le boire, sais-tu, finalement? Fait qu'on va le mettre là. Si je le bois pas aujourd'hui, je vais le boire une autre fois. T'as pas le choix. Toi, mon chum, t'es tannant. C'est ça, va-t'en. Pouah, la poubelle, elle pue, n'en mot. Je pense que t'as le temps qu'on la vide, hein? ouais, aujourd'hui, je vais probablement faire du montage. Ben, je vais commencer par aller me laver. Ouais, ça pue. Ah, toi, chut.
Puis après ça, je vais probablement faire le montage du vlog de ce que j'ai filmé hier. Puis je vais commencer à faire cela d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une petite journée tranquille. Je vais faire ma liste d'épicerie. Ça risque d'être pas mal ça aujourd'hui. Peut-être si je vais... Ben, je vais peut-être aller à l'animalerie avec maman pour aller chercher de quoi pour le chien. Si c'est pas aujourd'hui, ben ça sera demain ou en début de semaine. Mais faut pas trop que je niaise parce que je veux l'avoir pour Noël. Fait que... moi, ça risque de ressembler à ça ma journée. De toute façon, mon chum il travaille tantôt. Avec... Puis, en plus de ça, ben, hey, désolé, on dirait que je sais pas quoi dire. Mais c'est pas vrai, j'ai de quoi vous dire. À matin, dans le fond, la souffleuse hier est passée. Tu sais, dans le fond, là, avec la tempête qu'on a eue, j'étais allée pelleter mardi soir. Puis je me suis dit, ben, mon chum, il pelletera un peu, puis la souffleuse, ben, elle va finir par passer à un moment donné. Fait que mon chum, quand il est arrivé de travailler mardi, il est allé pelleter deux fois, environ. Trois fois mardi? Trois fois. Bon, il est allé pelleter trois fois. La quatrième fois, j'étais rendu en boxeur. Non, ben là. Après ça, mercredi matin, quand je me suis levée, la souffleuse n'était pas passée. J'ai réussi à sortir de la cour parce que c'était de la neige molle. Ça a bien été. Je suis revenue de travailler, il était 1h. La souffleuse avait toujours pas passé. Elle est passée, il était 2h30. Ça faisait comme une journée qui neigeait, là. Tu sais, une grosse journée qui neigeait puis qu'il y avait eu de l'accumulation. Après ça, dans le fond, on n'a pas eu besoin de pelleter, parce que la souffleuse avait passé. Mais après ça, la charrue, elle a passé cette nuit. Puis ma souffleuse, ben, elle avait toujours pas passé ce matin quand je me suis levée pour aller travailler. Puis, une maudite chance que j'avais prévu le coup puis que j'avais été me parquer chez ma, parce que probablement que je sortais même pas de ma cour chez nous un matin, j'aurais même pas été capable d'aller travailler tellement que la charrue, quand elle a passé, elle a fait un de ses ourlets en arrière de mon char, là, c'était tout tapé, genre... Fait que, c'est ça, là, vois-tu, la souffleuse est passée à matin. Elle a passé deux fois en deux jours de tempête, mais vraiment pas quand qu'il fallait. Fait que, tu sais, genre, mon propriétaire paye pour un souffleur, pour un déneigeur, pour avoir un service. Je suis capable de comprendre que oui, il y avait beaucoup de neige hier, il y a fait tempête, il y avait beaucoup d'entrées à déployer. Ça, je suis capable de comprendre ça, qu'ils ont beaucoup de jobs à faire. Ça, je me mets à leur place, puis moi, travailler jour et nuit, je serais pas capable. Mais d'un autre sens, tu payes pour avoir un service, tu fais comme, ah, oh, ben demain matin, je vais être bonne pour sortir, un souffleur va passer, tu vas pelleter un petit peu pareil. Mais il passe pas, le souffleur. Puis toi, arrête de chialer, c'est moi qui chiale. Oui, fait frette. Fait que, tu sais... Le souffleur, il passe même pas pour faire la job à laquelle tu payes. C'est toi qui es obligé de faire sa propre job. Tu sais, ça, je comprends pas ça, par exemple. T'sais, tu payes un prix fou, mais finalement, tu payes dans le vide parce que il passe même pas. Tandis que ma mère, elle, son entrée, je pense que le souffleur a passé comme 4 à 5 fois, puis moi, le mien a passé 2 fois. Trouver l'erreur. Mais bon. C'était ma petite passe de chiolage. J'ai fini de chialer. Fait que sur ça, ben moi je vais probablement aller me laver puis profiter un petit peu du temps qui reste avec mon chum parce qu'il part dans 1h30. Fait que on va se revoir probablement plus tard dans la journée.
vous pouvez voir, dans le fond, j'ai changé mon toupette. J'ai décidé de retourner avec une frange. Désolée, il y a de quoi qui m'énerve dans mon objectif. Puis, c'est ça, je trouvais que j'étais tannée de mon toupette parce qu'il ouvre tout le temps ici. Fait que je vais essayer de le replacer en frange, voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, je me suis finalement décidée à faire mon centre de table. On dirait que je suis comme pas sûre. Puis, désolée, le bruit fatigant en arrière, ma laveuse puis ma sécheuse fonctionne. Mais on dirait que je trouve qu'il... Je suis comme pas sûre du résultat. On dirait que je trouve qu'il y a trop d'affaires, mais en même temps, pas assez. Je sais pas trop, là, mais je suis quand même contente du résultat, là, mais... Puis, tu sais, les chandelles que vous voyez, les flammes que vous voyez dans le milieu, ben, c'est des fausses bougies. Fait que des lumières Odell, comme. Fait que c'est ça mon centre de table. Je me suis finalement enfin décidé à le faire. Ça fait quand même beau malgré tout. Ben, sais-tu, à force de le regarder, je suis pas trop déçue. Puis là, ben, c'est ça, il est rendu comme 4h30. Non, même pas. 4h, 4h40. Ouais, faudrait peut-être que je passe à souper. Puis je vais aller transférer tout de suite les fichiers que j'ai enregistrés dans mon ordinateur pour pouvoir faire le montage. Puis je vais ouvrir mon sapin parce que le reste est ouvert sauf mon sapin. Je vais essayer de pas tout sacrer à terre. Hein, bon, et voilà. Ça là, c'est une merveille. Désolée, j'ai peut-être plein de brillants en face. Mais ça là, comme je disais là, la petite pédale verte qu'il y a là, c'est une merveille. Tu pèses dessus, ça loue ton sapin. Puis tu repèses dessus, ça ferme les lumières de ton sapin. Sérieux, là? C'est merveilleux. Fait que là, c'est ça, je disais... Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, je vais aller transférer les fichiers si je veux commencer à faire mon montage. Puis on va s'en jaser plus tard dans la soirée, là, après mon souper. Encore un brillant. Hey, les brillants, c'est fou, là. En passant, je voudrais un truc. Parce que en faisant mon centre de table, ben il y a des brillants partout à grandeur de la table, puis c'est fou là, comment il y en a. Fait que je voudrais un truc pour savoir comment faire pour enlever les maudits brillants qui traînent partout, parce que mon chum il trippera pas, mais qu'il voit sa table toute pleine de brillants. Fait que sur ça, ben je vais arrêter de le dire, puis je vais le faire, je vais vous laisser, puis je vais aller souper. Fait qu'on se revoit tantôt. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, dans le fond, je voulais vous faire un DIY avec mon centre de table, puis désolé si je change tout le temps de bras, on dirait que y a rien qui... Il n'y a pas de position. ouais, c'est ça, je voulais vous montrer une vidéo sur DIY de centre de table festif comme je viens de faire. Mais dans le fond, je me suis rendu compte en le faisant qu'il n'y a pas vraiment d'étape. C'est plus j'ai été comme pêle-mêle, j'ai mis une affaire, j'ai enlevé une affaire. Fait que tu sais, j'ai été au feeling, fait que je pense pas que ça vaille la peine de faire un DIY pour ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'étape précise pour réussir à faire... À faire ce que j'ai fait. T'sais, dans le fond, vous achetez des vases, des cocottes, soit déjà faites, ou vous les ramassez, puis vous les peinturez comme moi j'ai fait avec de la neige artificielle en canne, puis vous achetez une coupe de branches chez Dollarama, puis t'sais, vous le faites comme vous voulez, dans le fond. Là, fait que c'est ça. Là, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine de vous montrer comment j'ai fait, surtout que là, ben, je vais vous l'expliquer un petit peu. Fait que c'est ça, c'était juste pour vous dire ça. Moi, je retourne à mon souper. Bon, ben là, dans le fond, j'ai fini de souper, j'ai mangé mon restant de poulet que j'avais fait à la mijoteuse, j'ai commencé mon montage, j'aimerais juste à finir avec le clip que je vais vous faire là, puis là j'ai soif, fait que je vais venir me prendre une gorgée d'eau avant de mourir déshydraté. Ça sera pas très long. Ah, ça fait du bien. Fait que, c'est ça. Ouais. Dans le fond, j'ai pogné un mal de tête. Ça fait peut-être 2 heures que je l'ai. J'ai pris des Tylenol, ça n'a rien fait. Puis en plus, j'ai pris des Tylenol extra mal de tête. Là, parce que moi, il y a juste ça qui marche d'habitude. Puis là, ça marche pas. Puis là, je viens de voir ma laveuse puis ma chasseuse. Puis je suis en train de penser qu'il faudrait bien que... Je pense que je vais faire ça en vous parlant. Il faudrait bien que je mette... là, il risque de faire noir, par exemple. Là. Bon, t'as peu. Si je vous dépose ici... Non, trop de lumière. Trop de lumière. Pareil. Non, ça marchera pas. Bon, ben, je ferai ça après vous avoir parlé finalement. Ouais, c'est ça, là. Faudrait que je mette mes serviettes à sécher pour pas que... Ça prend 1h30, il est déjà 8h. Fait que si je veux pas que ça dérange trop les voisins, faudrait que je le fasse assez vite. Puis là, ben, comme je disais, j'avais un mal de tête intense. J'ai pris du Tylenol puis ça marche pas. Fait que je pense bien que je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais mettre mes serviettes à sécher, comme je disais, puis je vais finir mon montage, parce que je pense que
Après ça, j'arrête de me casser la tête, puis je vais aller écouter mes émissions de Blind Spot. Je pense que je vais prendre ça relax ce soir, puis je me coucherai pas tard parce que j'ai très mal à la tête. Puis que là-dessus, ben je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir demain pour la suite du Vlogmas. Bye tout le monde!